Salut mes amis. Alors je voulais vous parler de festivals. Des festivals, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, même il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs qui étaient formidables. Mais il y en a un qui est un des plus beaux festivals et des plus sympathiques, humainement, musicalement, à tous les niveaux. La poésie, il y a de tout dans ce festival, le Concèse, dirigé de main de maître par l'ami Mathias, que vous connaissez bien. Hein, et si vous ne le connaissez pas, vous allez y aller, vous allez le rencontrer, c'est un type super. Avec sa petite femme qui dirige tout. Voilà, et nous avons beaucoup de souvenirs de ce festival. On a chanté, on a applaudi les autres, etc. J'ai rencontré d'ailleurs un comédien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoine Cossens, avec qui on a bien sympathisé depuis. On s'est revus plusieurs fois. Je l'aime beaucoup, il a beaucoup de talent. Il a une fille qui chante aussi d'ailleurs. Voilà, et alors surtout, bon, bah, pas surtout, mais en plus, cerise sur le gâteau. Mon copain Francis Lalanne était là, qui m'a fait le plaisir, et je le remercie encore, de rester, car il devait partir, pour écouter mon tour de chant. Et je pense qu'il l'a apprécié, en tous les cas, c'est ce qu'il m'a dit. On a dîné après, et à un moment donné, on a dit à Francis, mais en fait, maintenant, tu habites où? Et il nous a répondu, mais partout dans l'univers, je vais là où le vent me pousse. C'est pas beau? Signé Francis Lalanne. Quand il est venu au pays, tout jeune médecin de Paris, il n'y avait personne à ses visites. Les gens disaient, on verra bien, laissons y aller les voisins. Nous, on ira par la suite. Il n'y a pas à dire, mais faut savoir si ce médecin a du savoir. C'est pas qu'une affaire de diplôme. Chez nous, au pays, c'est Manol. Ce n'est qu'au bout de 6 verres de gnole que l'on connaît vraiment son homme. Les premiers temps, c'est en moto, et puis après, en vieille Peugeot, qu'il fait son métier en campagne. Là où les malades disent rien, sont sciatiques et sur leur rein, la maladie l'accompagne. Toute une ville, tout courbée sur les labours et sur les blés, dans les gens fous de la nature. Le soleil vous prend vraiment et qu'il vous tombe un coup de sang, que votre pauvre mère devient pleureuse. Avec un concurrent sérieux, la personne du rebouteur qui fait sur vous des choses étranges. Sortez la nuit pour accoucher, pour faire un constat de décès, on ne le paye qu'en vendange. Les jours de foire à la maison, on fait à la consultation, on attendait des heures entières. On ne savait rien de ses amours, où il va à la fin du jour, par son chemin de célibataire. C'est comme quand l'Alphonse est parti, lui qui traînait ses mal sa vie depuis des tranches des deux. Avec un gant plein de buts et qu'à la fin il s'est pendu pour oublier les mitrailles. C'est lui le seul qui a osé monter sur une chaise pour couper la corde passée dans la charpente. Près de lui, il est mort, les enfants dans le corridor, à la cuisine, les servantes. Depuis ce jour, il a le droit d'hausser le ton, d'hausser la voix dans le café, à la manigue. Pendant 30 ans, il a refusé d'être le maire, car il disait ce que je fais est plus utile. Du banquet à chaque passage du député lors des tournées électorales. Vous avez le monde sur son gilet, en bout de table, il écoutait toutes ces promesses qui restent vraiment. On lui disait, docteur, vos vieux, ceux qui sont seuls, qui n'ont plus que pour qu'ils votent, on les accompagne. Il répondait très vaguement avec un salaud tout en temps, je ne suis qu'un médecin de campagne. S'est couché, ne s'est plus jamais relevé, même le médecin s'est quitté à terre. Elle montre à son nom, c'est normal. La vieille rue près du canal, il l'habita sa vie entière. Il dort bien face au peuplier, dans le cimetière ou quand vous marchez. Les chants d'oiseaux vous accompagnent. Ce soir, on guette tous ce tocard, il doit nous arriver, le nouveau médecin de campagne.